là parce que mercredi dernier, nous t'ai appris que cette fois-ci, Sojourner mettait l'ensemble avec DGI. Nous cherchons l'autre juge qui s'est Brédi Fabien pour venir persister dit que nous n'avons aucun mandat qui lié à l'État haïtien. Or, depuis le 2 juin, le dossier s'est plaidé devant le juge Petit Papa. Le juge Petit Papa a nous acte que lui, ouais, on document que les procurations spéciales qui lient nous avec l'État haïtien, lui ordonne le dépôt des pièces pour le capable de rendre une décision. Eh bien, ministre de Justice, la bête de l'Orsé, Stanley Gaston, chef d'un pays ici, fait pression sur le juge Petit Papa, lui retire qu'on a un dossier à le parti qui était payé. Donc, il vient là avec Brédi Fabien. Nous avons expliqué très bien à Brédi Fabien que un juge qui respecte tête-là. Depuis que vous récusez, c'est que vous ne pouvez pas même poser cette question, il faut tant de cassation, les statuer. Le mois, moi-même, à mettre Février, mettre Éphésien et mettre Canton. D'autant plus que le juge Brédi Fabien a deux avocats, il a compté avec eux. Depuis une quinzaine d'années, eh bien, la loi autorise nous récuser Brédi Fabien. L'envie là, Brédi Fabien, moi, li, et c'est seul pour faire ça, Alvin là, tout d'ailleurs, je dis, ah, moi, c'est gaz collé, et qu'on y a donné, lui a donné des pièces. Ça veut dire que ce juge aurait un intérêt personnel dans ce dossier, parce que il ne pas comprendre qu'un juge qui est indépendant, depuis parti a seulement dit, il n'est pas confortable à voir ou déporte aux voix, il prend la voie légale pour le récuser. Donc, nous sommes là, je dis, ah, pour nous dire à juge Brédi Fabien que le pas attendait à faire ça, nous elle persistait. Maintenant, nous avons l'autre façon, l'autre voie que la loi ban nous pour nous contrôler car parce que définitivement et nous est bon ici là juge et DGI Sojourner mettez ensemble. Et deuxièmement, action nous fait pour nous récuser juge Brédi Fabien et ça fait c'est pour nous éviter bon l'autre Jean-Serge Joseph encore dans le système non si que gagne des ministres justice des avocats qui prélé des juges pour ba oppression pour quitter dossier donc il a privé pas tous les juges même Jean Monsa tous les Marcelo pour intérêt d'autant plus que nous connaît que depuis après la mort Jovenel Moïse 12 millions de dollars américains chaque mois que l'état a décaissé pour payer il power Haïti à Sojourner comme ça redécaissé encore nous par contre qui est capable encaisser. Non, ça qui a de priorité Ariel Henry, ça qui a de priorité la justice, c'est qu'on qui est ce monde qui a encaissé comme ça, qui a fait à partir du 1er juillet ça, ça a fait 144 millions de dollars américains. Est-ce qu'on te connaît que gagne 1 million de dollars américains que tu as bailli par chaque mois que le bailli par contre, c'est tout ça, on va pas de côté pour une preuve. Et bien là quoi, il a un contrat. Et même j'ai bailli 1,5 million de dollars américains ensemble avec ce génère que le bail courant, que le bail courant. Mais ça a été coupé depuis 24 octobre 2019 et immédiatement je venais le mourir, ils ont redécaissé comme là. Maintenant, ils ont besoin de papier, il faut comprendre. Ils ont besoin de papier dans la main là, puis à justifier, puis à encaisser comme là. C'est ça pour comprendre. Ils ont besoin de couverture légale. Maintenant, nous disons, dans le dossier ça, ou bien ils ont assassiné nous-mêmes avocats, ou si c'est ça, nous allons passer comme ça. Nous n'avons pas rien de dossier. Si l'État a retiré le dossier à la main, il a retiré. Mais à faire marcher, dit, prend directeur de gérer Tchoulio, a dit, nous n'avons pas aucun mandat qui est dans l'État, tout le monde s'est menti. Excusez-moi. Maintenant, si, ou bien, si vous n'avez pas assassiné, vous n'avez pas voulu, allez dans le cabinet sans les garçons, allez dans le dossier ça. Allez dans le cabinet d'Orsay, allez dans le bureau directeur de gérer, allez dans le bureau ministre financier, ou bien dans le bureau Ariel Henry, vous allez dans le dossier ça. Tout côté, vous pouvez aller, vous pouvez penser, vous pouvez passer sous nous, vous pouvez faire des ordres, vous pouvez pas capable. Nous venons déjà devant un juge qui constatait procuration spéciale que nous avons amené. Les gens juge après se faire le marron. Vous n'avez pas compris ça. Vous battez ça nous là. Vous avez petit papa pression, le marron qui était payé. Quand vous avez devant juge encore. Pour même bagarre là, oui. Pour même bagarre nous plaider devant petit papa. Il va nous accueillir effectivement procuration. Il dit nous, et déposer pièce. Et bien, les gens finissent de faire juge le marron. Et puis, ils ont fini là devant juge Bayo. C'est du banditisme judiciaire. C'est du banditisme légal sur l'autre forme qui se poursuit, et bien nous-mêmes nous avons campé en face pour faire valoir droit, nous, d'abord comme citoyens, comme avocats. Nous ne pouvons pas aider devant le juge à nous expliquer. Nous ne pouvons pas déposer aucune pièce. Depuis ce matin, le juge a reçu un exploit du CIE, Jean Laloi dit, à travers l'article 435 et suivant du Code de procédure civile, il dit que le juge là, ils sont juges qui récusés, des pour récusés comme juge, ou alors greffe la font déclaration, ou tant de coups de cassation. Mais par contre, côté, Brédi Fabien joint ça à l'affaire. Elle connaît pas capable sur nous. Brédi Fabien connaît pas capable. Elle est capable. Elle pas capable bon jour. C'est 12 millions de dollars qu'elle la donne. 54 millions de dollars qu'elle parle la donne. Je ne comprends pas. Non, elle pas capable. Pourquoi?
Qui ça ne va pas faire? Regardez, le dossier, ça, ce n'est pas un dossier pas nous lié, c'est un dossier population lié. On a perdu 54 millions de dollars. Nos pays, côté que la police, pas de moyens pour que bandi, c'est 10 millions de dollars là, on va redire. Je ne sais pas si pour acheter matériel pour la police, venir où est-ce l'affaire avec bandi, pour longer 12 millions de dollars américains par mois. Bye, un petit groupe qui fait 54 millions de dollars, qu'on y a pour un juge, il prend même employé de GI. Même ministre justice là, vous pouvez dire DGI, c'est un complot de l'État contre les citoyens. Vous ne pouvez pas dire ça m'a fait. Eh bien, nous prenons. Ouais, si pays ça, c'est pour négocier. C'est un complot de ensemble de monde dans l'État, sans éthique, sans rien, contre les citoyens, contre les intérêts des citoyens. Nous ne pouvons pas avoir une stratégie, nous prenons. Entre nous. Non, mais là, écoutez. Qui doit vous nommer juge, merci. Non, non. Regardez, bon, juge a rien doit toujours tenir compte. Bon, moi-même, je ne sais pas si vous avez besoin de ça, je ne sais pas décider. Parce que les gens doivent décider à la fin, ils font droit à ça. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. On juge. D'ailleurs, là, on partit, on dit on juge, les réquisitions, on ne doit pas dormir. Ça veut dire que vous êtes devenu une partie. Vous êtes devenu l'adversaire de la partie qui vous recuse. Donc c'est ça la loi dit. C'est ça la loi dit. Maintenant, si Brady Fabien connaît les propres lois par le pays, ensemble avec Sogeder, ensemble avec Mounan DGI, ensemble avec Ariel Henry, on va voir.